avant, la hiérarchie, elle se bloquait, les gars. Ils étaient là, eux ils avaient des pirogues, nous on débarquait avec des putains de bateaux à trois mâts où il fallait 25 corps de métier pour arriver à ça. Eux ils étaient à trois mecs qui faisaient une pirogue. D'ailleurs avec une agilité, une sapience hallucinante que nous peut-être on ne saurait pas faire justement. C'est pour ça que moi je sais pas du tout un schéma, j'ai l'impression que quand je dis ça je fais le schéma évolutionniste de l'anthropologie du 19e, hein, qui voyait l'analyse, tu avais animisme, totémisme, polythéisme, monothéisme, tout en haut, le monothéisme victorien, l'Angleterre comme symbole même de la puissance de la civilisation hiérarchique. Hein. Non, 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 tout est égal. Hein. C'est-à-dire que si tu mets dans la balance le dégât, on est complètement, on est encore pire que tous, quoi. Et que le dégât qu'on fait sur la Terre, qui va donc maintenant engendrer un collapse civilisationnel, l'Occident est hyper responsable. Mais en même temps, ceux qui sont responsables maintenant vraiment d'un chaos total, c'est la Chine. Moi, j'ai vu la Chine, j'ai halluciné. Alors qu'ils nous vendent la Chine technologique, solaire, tout, mais c'est du bullshit. La Chine continentale, les usines à charbon, c'est un truc de malade. Mais c'est non seulement de la géopolitique, l'écologie, mais c'est surtout aussi de la science. Parce que par exemple, l'escroquerie de la voiture électrique, c'est un truc de dingue. En fait, c'est une question d'énergie. Comment on va produire l'énergie? Ben, en attendant, tant qu'on n'a pas réussi à la fusion, tant qu'on n'a pas créé. En fait, il faut être des dieux. Il faut être comme les. On revient à la théologie des anciens. Métaphoriquement, si on ne sait pas maîtriser ce que fait l'étoile, on n'arrivera jamais. Mais paradoxalement, moi, je pense qu'on n'arrivera jamais à maîtriser le soleil. Le premier truc qu'on a observé, c'est les étoiles, et on en a créé toute la mythologie, toute la légende, et le bout du bout, c'est maîtriser ce que les anciens étudiaient. Ces boules de feu incandescentes, incroyables, ces réactions nucléaires, où on peut maintenant mettre des mots, c'est pas vraiment du feu au final. Le futur, c'est pas la ville futuriste géniale où tout le monde vole. Non, je pense que c'est un retour à l'ancien. En ayant compris qu'on est allé trop loin. Bon, ça, c'est ma théorie. L'écologie, c'est de la géopolitique, de la science de haut niveau, et pas juste de la moraline. Ouais, c'est pas bien, on pollue. Oui, on pollue, mais parce que le fait même que tu puisses le dire sur les réseaux sociaux, tu pollues. J'ai un endroit en forêt où je plante des arbres. J'adore. Enfin, c'est un truc tout con, mais ça paraît complètement anecdotique. Mais je me baigne. Chaque fois que je vois par exemple un insecte qui se noie, mais c'est depuis tout petit. J'ai toujours sauvé. En tout cas, chaque fois que j'ai l'occasion de sauver la vie, je le fais. Grand ridicule de mes amis. Et tu fous quoi, Mandrill? Non, non, ben, putain, il y a une fourmi. Tout le monde le fait si t'as un hérisson, par exemple. Mais je le fais avec les insectes. Fois que je trouve une pile par terre, je deviens fou. Je vois une pile par terre, c'est un truc de dingue. Et chaque fois aussi, quand je vois quelqu'un qui jette un mégot, j'arrive et dis, tu sais que c'est 3 à 5 000 litres d'eau que tu fous en l'air avec un seul mégot.
Je suis amoureux d'une cigarette. Je suis pas non plus l'écolo de salon qui emmerde tout le monde. J'essaie de recycler le plus possible, mais je suis pas du tout dans le délire zéro waste. J'essaie de faire ce que je peux, même si je sais que je suis un agent du chaos par définition. J'ai déjà le nombre de disques durs que j'ai. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quand même pas mal. J'ai une grosse valise remplie de disques durs. Je pense que je dois avoir un joli petit cratère ainsi en Bolivie. Les cours à l'académie m'ont apporté ce rapport à la nouvelle génération, quoi. Ça a été une aventure assez magique de voir toutes les contradictions des nouvelles générations avec justement l'arrivée des nouvelles thématiques politiques. Justement, on parlait d'écologie, comme maintenant ils sont hyper investis par ça. La musique, parce qu'au final, d'être un dessinateur ou d'être un geek de 38 ans, c'est d'être un gamin qui a juste vu beaucoup, qui a eu plus de temps de mater tout ce qui est possible. Parce que eux, ils ont 18 piges, mais c'est pas possible d'avoir vu autant de trucs que moi. Parce que c'est juste l'âge. Mais il y a une nouvelle génération avec justement Internet. Eux, ils ont accès à avoir plein de choses. Il faut juste les guider parce que sinon, ils tombent à mater Netflix. Il faut déjà leur faire comprendre qu'il y a déjà avant les produits tout préfabriqués, tendanciels, exprès, ajustés aux algorithmes, des trucs incroyables qu'ils connaissent même pas. Donc leur faire découvrir Terry Gilliam, leur faire découvrir un artiste comme Chomo. Ils veulent pas entendre parler de Chomo parce que Chomo, on peut pas le classer. Il n'est ni peintre, ni sculpteur, ni architecte, ni musicien, il est tout. Alors, la société des fonctionnaires et des intellectuels, on veut classer les artistes. On va en faire un peintre, on va en faire un sculpteur, on va en faire un musicien, c'est pareil. Pas du tout. L'artiste doit être disponible à toutes les sensibilités où il n'est pas artiste. L'art brut, Jean Tinguely. Mais en gros, j'ai vraiment aimé beaucoup enseigner. Et puis, que ce soit à des gamins de 8-10 ans, alors fait découvrir Anna Barbera, Les Fous du Volant, Yogi et puis Les Pierres à Feu. À travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici les fous du volant dans leur éternelle poursuite. Les véhicules se dirigent vers la ligne de départ. Voici la turbo terrifique pilotée par Pierre de Beaufix, Rufus la rondelle et saucisson dans leur taco souterrain, le sergent grosse pomme et le soldat petit pois dans leur tocard tank, l'inquiétant Al Carbone et sa bande dans leur cavaillac blindé. Le célèbre inventeur, le professeur Maboulette, au volant de son auto-aéro-fuseau-planeur. Oh, la ravissante Pénélope Jolicoeur qui illumine ce tournoi de sa radieuse beauté. Puis les frères Tête-Dure, Rock et Gravillon. La dingo limousine avec Piquet Collégramme. Viennent ensuite le caracolant Max de Rouge, Malabar et Malabie dans leur fidèle Coucou Cascou. Et enfin, en lanterne rouge, dans leur démon grand sport, les deux malfaisants compères, Satanas et Diabolo. Et puis autant à faire découvrir Bosch, Bruegel, faire lire la Divine Comédie à des jeunes adultes de 18-20 ans. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita, ove udirai le disperate strida. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Je vais proposer des lectures, je vais proposer à des gens... Je vais faire une espèce d'école sans être une école, c'est-à-dire que les gens sont libres. C'est aujourd'hui, on va parler de la tripartition de Dumézil, on en a parlé pas mal dans certains réseaux. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ces sociétés de caste en Inde, par rapport aussi au Moyen-Âge, toujours ceux qui se battent, ceux qui prient, puis ceux qui bossent. Voilà, est-ce qu'on a toujours ces schémas-là? Comment ça... Radio libre, je reçois les gens, j'essaie de sélectionner, j'ai énormément d'amis universitaires, docteurs, des gens de haut niveau, des jeunes, hein, 25-30 ans, pour moi c'est hyper jeune, qui ont déjà quand même capté pas mal de trucs. Puis après, prendre aussi des petits gars qui sont complètement paumés puis qui veulent poser des questions et puis parler de PNL, programmation neurolinguistique, parler de bouquins, parler de ciné. Ma faconde et puis ma volubilité peut drainer pas mal de connexions et je le faisais parce que j'avais un pote qui faisait ça, un dessinateur qui gère énormément d'interactions, donc Teddy Boy qui est, voilà, il fait 35 000 vues pour ses vidéos en une semaine, ses lives, il y a 2500 personnes connectées, c'est gigantesque quoi. Lui il arrête parce que c'est trop dur, il m'a dit c'est très éprouvant en fait parce qu'Internet ça corrompt.
T'as quand même des trolls, des débiles. Mais oui, lui, il avait atteint un stade critique. Alors que... Mon cher Michael, c'est avec une grande fierté que je vais te faire découvrir les mille et une saveurs. Installe-toi, vire tes préjugés et kiffe ta race. Et laisse le beau potager français te charmer. Il y avait beaucoup trop de monde. Moi, si je fais ça, j'ai quoi? J'ai 30, 50 personnes, voire 200 personnes connectées. C'est 200 geeks passionnés. On va parler de Gnose, on va parler de Sophia Perennis, mais on va parler de physique quantique, on va parler de Bear Reeves, on va parler de GAFA, de l'intelligence artificielle. Là, je dois tout gérer parce qu'il y a pas mal de programmes à faire pour ce Discord. C'est live YouTube. J'ai vraiment envie que ce soit de qualité. Et puis, il me faut des modérateurs. J'ai plein de potes, j'ai plein de gens bénévoles qui veulent bosser pour moi pour ça. Mais ça va, d'ici 2021, radio libre tous les mercredis, date symbolique où j'enseignais, recevoir les gens, proposer des petits séminaires, des petits exposés. Je vais parler par exemple de Pomian, tous les auteurs que j'ai cités là, Skuyten, Giger, esthétique macabre, qu'est-ce que ça peut être? Boum, peintre suisse, peintre asiatique. Je vais essayer de faire le prof, sans être prof, hein, simplement un animateur radio un petit peu plus poussé. Enfin, l'antithèse d'Hanouna ou de Koé, quoi. Bonjour à tous, c'est Mandrill, et aujourd'hui dans cet épisode d'Apocadrill, j'aimerais conjuguer deux notions, l'alchimie et la sexualité. Alors les Apocadrills, c'est un petit format vidéo que j'ai commencé à faire en faisant des monologues avec ma petite caméra Digi à Paris, juste avant le confinement. Je me baladais en skate, c'était pour faire Hermès, donc Hermès, celui qui transmet la connaissance des humains aux dieux. J'étais là, je suis un modeste Hermès trismégiste sur un skate, et que je me baladais à Paris sur les pistes cyclables avec ma caméra. J'ai accéléré ça, donc ça faisait des timelapses de vue de Paris en accéléré. Et puis il y avait ma voix off, et puis je parlais physique du temps, philosophie du temps, métaphysique du temps. J'ai parlé sur les rites de passage, j'ai parlé sur les conditions d'initiation, je parlais d'auteurs qui sont propres au milieu d'ésotérisme, c'est-à-dire Evola, Abelio, René Guénon. Mais dans une esthétique très nouvelle, très 2.0, très YouTube, avec plein de gags, plein de gifs, quelque chose de rendre vivant, pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur justement la gnose, ou même de la théologie. France Culture le fait très bien, hein. Quand ils invitent un expert sur Jung, c'est bien, mais tu décroches vite. Enfin, pour la nouvelle génération, ils ont besoin peut-être de vulgariser plus, puis de rendre ça peut-être un petit peu plus fun. Du Moyen-Âge, c'est génial. J'ai envie de parler de cette effervescence de trouvailles, d'idées, de faire peut-être vivre les cathédrales qu'on oublie de regarder vraiment avec le bon oeil. Ce qu'on appelle l'épistémophilie, hein, l'amour de la connaissance. Et puis de le partager avec des jeunes comme avec des vieux. Plein de gens de 40, 50 ans qui m'écrivent aussi. Ouais, mais j'ai maté ça, c'est, je trouve génial. J'essaie de démocratiser, enfin, j'essaie de vulgariser ce que moi j'ai fait en 20 ans de recherche. Avec les sujets qui me sont propres, c'est le Moyen-Âge, la peinture, l'architecture, tout en faisant des liens avec le jeu vidéo, la BD. Des sujets qui sont peut-être pas forcément connexes, mais qui, moi, par ma vie, le sont. Et puis ça tilte, là. C'est modeste, hein. C'est... Je suis pas avec les charters de Cyprien ou de Norman. Quand t'es gamin, il y a une période où tu commences à comprendre les choses qui t'entourent. Et en même temps, tu comprends pas tout non plus. Quand j'étais petit, je pensais que tout ce qu'on voyait dans les films, c'était vrai. Tout était vrai. Fais tes adieux. Coupé!
Je préfère avoir une petite fanbase de, allez, 1000 personnes hyper cool avec qui il y a des échanges vraiment très forts que d'avoir 300 000 personnes où c'est des gifs de Nabila et puis Hanouna. C'est un monde d'un petit peu, une petite niche de nerds et de geeks qui se posent des questions. Allô ? On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. C'est tout. Sois l'élève et je serai le professeur. Allô ? C'est tout pour moi, merci. Tipeee, si tu veux, les gens, ils donnent soit un petit don, ça peut être 1 franc, 2 balles, ou soit c'est 1 franc tous les mois. Moi, je faisais ça gratuitement, hein. Moi, je faisais ça, j'étais à Paris, j'allais pas penser que j'allais plus être à l'académie quand je rentrais de Paris. Bah, j'ai un peu la position de la précarité qui s'annonce. C'est pas ça qui va me payer mon appart ni ma bouffe, mais c'est clair que d'avoir un soutien, c'est horrible de dire, mais ce soutien financier donne de la résonance pratique à la suite de l'aventure. Parce que faire ça en pur dilettantisme, c'est cool, mais là maintenant, j'ai Tipeee qui peut valider un peu aussi une reconnaissance matérielle. Là, j'ai même pas 700 balles ce mois, mais voilà, c'est 700 balles quand même où j'ai 43 personnes qui donnent un petit peu et puis qui m'envoient chaque fois un petit message en me disant « Oh, de soutien, c'est génial ce que tu fais, continue !» Comment me trouver moi-même et trouver la lumière ? En prenant le chemin qui conduit à la vérité. M'aiderez-vous à marcher sur ce chemin ? Je ne peux que te montrer le chemin, Scarabée. Les pas, tu dois les faire toi-même. J'essaie d'être un artiste martial. Je fais gaffe à ce que je bouffe. Quand je bouffe du chocolat et du sucre, c'est de la haute gastronomie de chocolatier. Je boycotte tout ce qui est industriel. Je ne mange rien d'industriel. Il n'y a rien d'industriel chez moi. Je ne suis pas vegan, hein. J'ai 2-3 boîtes de thon. Mais voilà, il n'y a rien qui n'est pas bio. Même si t'as certains qui vont dire que le bio c'est du bullshit, non. C'est le message que je donne en achetant que du bio. Je mange aucun sucre, enfin ajouté. Je sale pas mes aliments. Je bois aucune boisson sucrée. Je boycotte depuis 20 ans tout ce qui est restauration, fast-food. Et puis je suis italien et je mange très peu de pizza, sauf si je vais... Enfin, si tu veux, je mange, je peux manger tout et n'importe quoi, mais il faut que ce soit dans la tradition. C'est-à-dire que si je mange une pizza, c'est parce qu'il y a un four au feu de bois qui l'a fait. Si c'est des frites, ben c'est parce que je suis à Bruxelles puis je bouffe des vraies frites avec une bonne crique, hein, là, fieux. Dans mon hygiène de vie, j'ai... Voilà, c'est 1h30 de sport par jour ou 1 heure de sport minimum. Par contre, mes potes qui sont peut-être avec du bide et puis en n'ayant rien à foutre, eux, ben voilà, ils sont quand même à vérifier si des impôts, ils font juste, si leur troisième pilier, ça va, puis essayer de trouver la meilleure assurance possible. T'as vu que moi, des fois, je pense que j'ai dû perdre de l'argent, pas possible. J'ai de la comptabilité, mais elle est un peu foireuse, quoi. Je suis pas du tout dans ce monde-là. Si un rappel de facture, vérifie quand même, mais c'est la limite. J'ai des potes qui m'ont payé le livre, j'ai complètement oublié que mes potes, ils m'avaient payé en 2 fois. Puis ils viennent vers moi, ah, si jamais j'ai encore les 100 balles. Ah ouais, alors je suis le premier à me faire avoir comme ça. J'ai une espèce de telle honnêteté, une telle ingénuité que je me fais peut-être avoir aussi. Donc là, c'est une forme de chaos. Mais dans tout ce qui est corps, discipline, bouffe, alimentation, là, ça pardonne pas. Alors, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander ce que j'aime manger. Alors, je vais vous faire plaisir, je vais vous montrer. Par contre, vous risquez d'être surpris. Il y a ma mère qui fait un émincé de veau au curry avec de la banane au beurre incroyable. Il y avait les filets de perche de ma grand-mère, paix soit sur elle, avec le petit pêcheur de neige qu'elle me faisait, qui était le meilleur filet de perche au monde. Pommes de terre à la vapeur, puis les petits haricots. J'adore les sushis, j'adore toute la bouffe japonaise. Par un vrai maître sushi, les sushis, c'est juste incroyable. Donc le poisson cru, paradoxalement, c'est le truc que j'aime. Je suis assez fan du tikka masala indien. Pas de taille, s'il n'y a pas trop de glutamate, si c'est des vrais pas de taille. Mais sinon, la cuisine occidentale, un rassemblement, une foire médiévale, sanglier qui tourne à la broche depuis 3 heures, un verre de vin, et puis des pommes de terre, ou un bon ragoût, là, c'est... Enfin, les vrais trucs, les vrais trucs qu'on voit, quoi. Je suis accro au sirop de sureau. Le sirop de sureau bio, je suis pas alcool beaucoup. J'aime bien le vin, mais je bois pas d'alcool fort. J'aime bien le Porto, mais sans plus. Mais sinon, c'est vraiment le sirop de sureau. Bio. Thank you.
Ouais, j'ai fumé des spliffs, je le dis vraiment en connaissance de cause, parce que j'essaie vraiment de sortir les gens le plus possible de ça. Je suis très circonspect sur la drogue, tu penses bien. Pour moi, c'est une contre-initiatique par essence. Il peut y avoir des cas de fulgurance comme Moebius, qui ont eu effectivement par une initiation, par des chamans, un truc où ça peut se passer. Il peut avoir une illumination, il peut avoir une connexion. Mais le chamanisme sauvage que je nomme comme ça, pour reprendre un terme de Michael Arner, qui sont tous ces trucs de contre-initiation, d'aller prendre du LSD ou des trucs comme ça, dans un contexte urbain, c'est le meilleur moyen de se planter total, ou de se faire infester d'ailleurs même, je dirais, ou tout simplement de péter un plomb, de devenir schizo. Non mais j'ai fumé pas mal de spliff entre 17 et 25 ans, après j'ai continué un peu, puis en Chine ça m'a bloqué. Je pensais qu'en Chine j'allais tellement risquer que j'allais me faire choper, donc de toute façon vu que j'allais vivre là-bas il fallait que j'arrête. Puis paradoxalement j'ai trouvé en Chine l'opulence de tout, c'est-à-dire que je pouvais non seulement avoir de la beuh qui venait d'Himalaya, hein, je pouvais trouver de la coke. C'est une ville d'expat, hein, Shanghai, donc il y avait tout ce que je voulais, il y avait coke, enfin ce que je voulais, tout ce que je voulais avoir si j'étais consommateur, donc coke, exta. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Ecstasy, extano, ecstasy. En fait, Thaï, il y a la Thaïlande à côté, donc ils ont beaucoup plus accès à la drogue, on va dire, tout ce qui est méthamphétamine et tout ça. Et l'opium ! T'avais encore de choix de l'opium, si tu voulais de l'opium. Quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve. Ça m'a tellement fait peur, j'ai tellement vu le monde alternatif underground fait pour les expats, parce que ça n'intéresse que les expats. Hein. Les Chinois n'ont pas du tout le rapport à l'alcool comme nous, de toute façon rien que pour des questions d'enzymes. Tout de suite su que ce reflet de voir l'Occident qui est corrompu, qui corrompt tout ce milieu, on va dire, souterrain, l'économie souterraine, que fait vivre les Occidentaux expats en Chine avec tous ces Chinois qui vont vendre toute cette merde, ça m'a dégoûté au carré, si tu veux. Ça m'a dégoûté au carré. J'étais, ah ! Et ça m'a rappelé à comme nous, c'est la même chose dans notre propre système, dans notre propre paradigme. Ces couillons qui dealent de la merde à des jeunes et tout ça. Et puis, je n'ai plus eu besoin, en fait. J'ai plus eu besoin de cette drogue qui était la beuh. Alors, j'avais des plans parce que j'avais des potes qui faisaient pousser leur chanvre et tout ça. Maintenant, j'ai beaucoup de potes qui ont arrêté comme moi. Ils me disent « Ah, t'avais raison, c'est vraiment de la merde. » Mais qui compensent avec la CBD. Alors ça, je ne vais pas débattre sur la CBD. Je suis anti-dope à un stade ultime. C'est-à-dire que moi, ça a été quand même un moyen de découverte. C'est vrai que je me souviens d'avoir fait des jeux de rôle ou d'avoir fait du skate complètement foncé ou du snowboard. T'es là, tu fumes dans ta cabine, t'es complètement défoncé parce que t'es en effet aquarium. Puis tu descends comme un malade après en snow, tout défoncé. J'ai eu des fous rires, ok, mais je l'ai vécu. C'est une époque, je regrette rien, mais ouf.
je suis bien content de m'être arrêté à ça. Parce qu'après, j'ai des potes qui pourraient me dire, ouais, mais c'était bien les extas, on a rigolé. Non, 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 il y a des dégâts. Il y a des dégâts qui sont irréparables. Je pense que, moi qui aime la mémoire, je pense que par le fait que j'ai un grand potentiel naturel de stocker des informations, fait que j'ai pas trop perdu au change. Mais quelqu'un qui est déjà un peu limite, puis qui fume encore par-dessus, ça peut, je pense, vraiment le rendre idiot. Après, j'ai rien contre les personnes qui fument, hein, c'est un choix personnel, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je déconseille vraiment de péter ce potentiel, parce que l'ordinateur, c'est la mémoire. T'achètes un ordinateur par rapport à sa capacité de mémoire, si tu détruis ta mémoire, tu détruis ta vie, tu détruis une partie de ton âme. Moi, j'ai des potes, ils se souviennent de rien. Les mêmes potes avec qui je fumais des spliffs à l'époque en skate, comment tu te souviens de ces détails? Moi, je me souviens plus. Puis je suis là, mais comment tu peux oublier ça? Parce que t'as perdu une partie de ton âme. C'est très marrant de voir comment les chamans, d'ailleurs, expliquent, les chamans amazoniens expliquent justement le cannabis par rapport à cette perte de l'âme. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais c'est très intéressant de voir comment eux, ils analysent avec leur grille de lecture, comment le fumeur de cannabis, qui est par une licence non initié, hein, c'est vraiment de la drogue pure sauvage, pure singulière, hein, tu t'auto-inities à fumer, et ben c'est complètement contre-initiatique. La bœuf, ça a été découvert par les bergers. Ils ont vu que leur mouton était tout foncé, tout bizarre, et puis on l'a d'abord mangé, la bœuf, avant de la faire en thermolyse. Je pense que peut-être dans des états d'initiation, on prend les achachines, là, l'histoire de dérivés du cannabis, ou de la résine, c'est peut-être une voie d'initiation, mais en tout cas, chez moi, elle est rédhibitoire, complet. Un pote qui vient vers moi, puis qui me raconte toutes ces histoires de connexion divine avec la bœuf, tout ça, ou la drogue, ou le LSD, je lui dis oui, ok, peut-être, mais pour moi, il y a le revers de la médaille. Déjà, c'est pas la bonne pièce, pas la bonne médaille que t'as choisi, et le revers, il est très douloureux. J'ai fumé, mais je déconseille, et je reconnais tout à fait, et je vois tout à fait quels sont les égrégores avec lesquels tu te connectes quand t'es entre potes et que tu fumes. Il n'y a pas pire. C'est un ralentisseur. Tu crois que ça t'inspire, tu crois que t'es connecté. C'est le pire ennemi. C'est comme on parlait, l'alcool, c'est un ami qui t'attend avec un couteau. La bœuf, c'est vraiment un des plus vicieux et un des pires. Pour calmer mon âme chagrine, je résolue en un sursaut de m'appliquer à la morphine ou de friser de la coco. Mais ça coûte cher, tout ces machins. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive, fumant comme une locomotive, avec vos lèvres arrêtées. J'ai fumé de l'eucalyptus. On parle souvent d'ésotérisme. Mais il faut voir en fait de quel ésotérisme et de quelle structure spirituelle on parle. Le problème, c'est qu'on a une espèce de boogie-boulga maintenant New Age qui a tendance à tout mixer. Mais ça, c'est une position totalement moderne, ou je dirais même, en termes de René Guénon, qui est un auteur sur la tradition, de post-moderne. Il faut s'imaginer que à l'époque, avant la Renaissance, tous ces courants de pensée, où on a nommé justement ce point commun, cette Sophia Perennis, étaient complètement distincts. Et puis c'est, au fur et à mesure, l'Occident, l'Europe, qui en allant s'inspirer de l'Orient, au final très peu vraiment des sagesses africaines, elle aurait dû plus le faire, mais bon, vu que c'est l'oralité, c'est quand même plus complexe. L'Occidental, lui, il aime le texte, il est philologique par essence, et puis l'oralité, lui-même a perdu la sienne avec ses contes et ses barres de celtes, on va dire. La
elle a essayé de choper un ADN commun. Mais en fait, c'est d'une certaine façon une forme déjà, comme j'ai dit, dégénérée. La Sophia Perennis, c'est une structure de sagesse commune, mais qui peut être totalement différente selon les prismes. Et puis c'est là j'en viens à une phrase que je trouve assez rigolote à dire, c'est que la quête de l'unité dans la pensée, dans toute doctrine spirituelle, n'est pas du tout à confondre avec l'uniformité. L'unité, c'est pas l'uniformité. Et ça, c'est, entre guillemets, ma grande marotte. Puis je peux la développer sur plein de prismes, justement, avec toutes les dérives qu'il y a eu. Tu prends l'illuminisme, les Rose-Croix, la théosophie, tous ces mouvements qui sont, entre guillemets, assez récents dans l'histoire, vraiment, de la Sophia Perennis. Ce qui m'intéresse, c'est l'alchimie médiévale, ou courant, on va dire, proche de Hermès Trismégis. L'hermétisme alexandrin, c'est en fait les textes grecs attribués au légendaire Hermès Trismégiste. Donc c'est les Grecs qui ont été influencés, et on revient toujours à l'Égypte. Parce que les pythagoriciens, quand eux-mêmes ont lancé les premières notions de mystique par rapport à l'analyse des mathématiques, où l'étude du ciel faisait partie de la théologie, cette connaissance des principes de cette sagesse, elle était expliquée dans le ciel. Quand, au final, on a commencé à évacuer la théologie de l'étude des astres, parce que les astres, en fait, on les explique autrement que par des principes divins, là, il y a le premier, on va dire, le premier schisme. La Sophia Perennis, c'est vraiment ce que René Guénon parlait de connaissance principielle. Pour être simple, déjà rien que le principe de la Trinité qu'on a dans le christianisme, dans notre culture, mais en fait, si tu regardes bien, cette notion trinitaire dans l'évolution de l'esprit à la connaissance, elle est dans toutes les cultures. Que ce soit Vishnu, Shiva, Brahma, que ce soit dans l'Égypte, Horus, Isis, Osiris, et il y a chaque fois ce principe. Et c'est hyper intéressant, on fait vraiment de l'anthropologie de la religion, d'aller chercher cette source, quoi.
Le monde va, à l'heure actuelle, dans un changement de paradigme total par rapport à Hérodote, âge d'or, âge d'argent, âge d'air, âge de fer. Donc cette grande cyclologie du temps, ces éons, pour prendre un terme théologique. Là, effectivement, on est dans le Kali Yuga, donc c'est l'âge de Kali, du démon Kali, en lien avec la déesse Kali, la destruction. De toute façon, même un mec complètement laïque et scientifique pourrait voir effectivement croissance infinie dans des dispositions finies. Ça ne peut pas aller très loin. Hein. Donc il y aura maintenant une guerre sur l'énergie et il y aura un retour, une révolution. Donc révolution, ça veut dire technologiquement, on va revenir à une analyse. J'espère que... Bon, il y aura du dégât. Hein. Il y a ceux qui tiennent sur l'ancien monde, ça va faire mal. Hein. Mais là, on va vers une friction maximale. Je pense que le capital va encore capitaliser au maximum de sa phase terminale les choses. Je ne vais pas parler comme un marxiste, mais c'est vrai que là, on a maintenant l'espace, le virtuel. C'est qu'on va capitaliser le virtuel, on va créer le monde virtuel, on va numériser, enfin, on va capitaliser, libéraliser le monde virtuel, couplé avec l'intelligence artificielle, donc faire de l'arrière-monde, hein, nouveau, ce sera pas de la religion, mais ce sera la nouvelle religion. Je me souviens Second Life, qui était un truc totalement foireux à l'époque des années 2000, là, où les mecs, ils allaient sur cette plateforme avoir une autre vie. Moi, je pense que la réalité augmentée avec les lunettes va augmenter vraiment de manière, c'est le cas de le dire, elle va augmenter de manière massive. Donc on aura des espaces de détente et de divertissement encore plus poussés que peut l'être le divertissement à l'heure actuelle entre le cinéma et les productions télévisuelles. Ça va vraiment être l'homme projeté dans un monde du virtuel qui sera capitalisé. C'est qu'on devra avoir accès à différents mondes, un peu comme un Google où plus tu payes, moins t'as de pubs. Puis des gens qui vont avec la réalité augmentée, donc tu te balades dans une ville et puis... J'ai entendu parler d'Europa Park, ils vont faire un truc où tu mets des lunettes, tu vas même dans l'eau et puis t'as un monde sous-marin mais en virtuel. On va arriver au paroxysme du monde, on aura tout foutu en l'air, mais on pourra le voir en 4K de manière virtuelle. On pourra aller voir tout ce qu'on a détruit en fait. On va aller voir les tigres, les antilopes, les baleines, on va nager avec des baleines, puis on payera pour nager avec des baleines, ce qui serait sans normalement être gratuit. Parce que le monde, la destruction du monde est coextensif au capital. S'il n'y a plus d'abeilles, il faudra payer pour que les abeilles qui faisaient gratuitement, des gars qui mettent ou des robots, des micro-robots qui viennent polliniser tes champs. Si l'air est pollué et tout est foutu, ben il faudra le payer maintenant. Si l'eau est foutue, alors que c'était gratuit à la base, il faudra la payer. Si même te reproduire, faire un gosse à ta femme que t'aimes parce que t'as envie de transmettre tes gènes, ben il faudra payer pour que ton médecin te fasse une fécondation artificielle. Donc tout ce qui était gratuit, qui se fait foutre en l'air par l'exosomatique, hein, parce que l'exosomatique corrompt, le capital adore. Donc moi je pense qu'on va arriver à une libéralisation de tout. Même rêver va être payant bientôt. À partir de là, il y aura moi je pense simplement, parce que tout est basé sur les métaux rares, hein, donc de toute façon, au bout d'un moment, quand la Chine va commencer à dire ce qu'elle en pense, tel conflit géopolitique que tout va s'effondrer, vraiment. J'attends qu'une seule chose, c'est une perturbation électromagnétique du soleil qui, elle, le fait aussi. Puis moi, ce qui me fait souci, par contre, c'est que si tout se casse la gueule, je veux bien, puis qu'on retrouve le troc, et puis tout ça, et puis bon. Mais il y a quand même des endroits sur Terre qui sont obligés d'être surveillés, c'est nos centrales nucléaires. Donc moi, si tout d'un coup tout se casse la gueule, ben, il faut quand même avoir des couillons de PNJ qui s'occupent des centrales, rien que pour leur autonomie, pour pas qu'elles ça part en couille. Donc moi, j'imagine que ça part en couille,
puis que il y a certaines zones qui seront donc que ça va faire un peu la terre comme une espèce de léopard, il y aura des zones qui seront plus vivables, puis il y aura des zones qui seront épargnées, puis il y aura des zones qui seront épargnées deux fois, c'est-à-dire épargnées non seulement du chaos, puis épargnées de ce que les gens veulent continuer à essayer de vivre sur cet ancien paradigme. Et puis ce sera un petit peu Mad Max. Et après Mad Max, ça va être un nouvel âge. Comme on dit dans le Kali Yuga, ce sera un nouvel âge d'or. Les mystiques et puis les New Age de Salon te parlent de l'âge du Verseau. Il y aura une reconnexion à la nature qui sera pourtant complètement, en partie, la nature visible détruite. Parce qu'on parle tout le temps de destruction de la nature, mais c'est la nature visible qu'on voit. Et peut-être que l'homme suivant, l'homme prochain, va se reconnecter. Déjà, quand je te parlais aux astres, mais peut-être qu'il y aura aussi un autre aspect de la nature. Là, je ne vais pas rentrer dans la métaphysique, mais il y aura peut-être un autre aspect qui va se réactiver. Mais il faut passer par une grosse, grosse destruction de système. Et puis là, on va se reconnecter, quoi. Alors moi, je pense qu'il y a déjà des jalons de conscience quand je vois des potes qui font de la permaculture, des circuits courts. En fait, eux, ils réinventent ce qu'on avait trouvé déjà avant, hein, la méthode de l'arrière-grand-père dans l'agriculture, d'arrêter la monoculture, de faire des jardins biodynamiques. Mais ça, c'est des solutions, c'est des béquilles. Mais je pense que quand ce sera vraiment repris à fond, il va y avoir peut-être une nouvelle humanité qui aura peut-être appris de ses erreurs. Mais pour apprendre de ses erreurs, généralement, il faut quand même que le gamin il se brûle, hein, sur la plaque chaude. Sinon, t'as beau lui dire. Là, on n'aura de toute façon plus retour possible parce qu'il n'y aura plus moyen d'avoir, comme je te parlais de ces métaux, il y aura de la casse, quoi. Mais une fois que la casse est faite, il y aura peut-être une nouvelle conscience, enclin à un amour du prochain juste. En fait, ce qu'avait peut-être annoncé le Christ, ce qu'avaient annoncé tous les grands penseurs qui n'ont pas écrit, hein, si tu regardes bien, les grands penseurs, les vrais, ils n'ont jamais écrit. Bouddha, Socrate et Christ, ils n'ont jamais écrit. Et quand on écrit, ou quand on fait écrire la parole, ça foire. Regarde les sunnites et les chiites, tout un problème aussi de qui c'est qui reprend ce qui a été dit et ce qui a été écrit. Justement, je pense que l'islam va aussi énormément jouer pour la suite. La Chine et l'islam vont énormément montrer qui ils sont. La vieille Europe va être, elle, prise en étau avec ses deux grandes puissances. Et puis, sur les cendres, il y aura ceux qui voudront faire le gouvernement mondial. Et puis, il y aura ceux qui voudront pas. Et moi, je pense que ceux qui veulent le gouvernement mondial vont gagner d'un premier temps. Et puis, c'est parce qu'ils vont gagner qu'ils vont perdre. Parce que c'est en gagnant que, justement, tout s'écroule. Puis on va retrouver un homme local, une localité, un régionalisme. Regarde-moi, est-ce par ma taille que tu peux me juger ? Eh bien, tu ne le dois pas, car mon allié est la force, et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créée, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi. Ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. J'aime bien l'univers de Tatooine dans Star Wars. C'est oriental, steampunk, puis tu sens que c'est un peu post-apo, quoi. Donc moi, je vois un Tatooine où les gros Jabbas auront peut-être sévi pendant un moment, puis après, ben, même les gros Jabbas le Hutt seront maigres. Quand tout le monde est maigre, il faut se réinventer et il faut s'aimer pour passer le cap. Là, ça va encore, les frigos sont toujours pleins. Là, les frigos vont être vides, puis je pense que là, il y aura aussi peut-être une, c'est triste à dire, mais démographiquement, un gros balayage. Si je te parle aussi de catastrophe nucléaire qui sera là, le coup de grâce.
une nouvelle humanité. Et puis on rentre dans ce que je disais, sans rentrer dans le New Age, mais c'était écrit par les astres depuis longtemps. Et effectivement, l'âge du Verseau, ce sera peut-être une nouvelle amphore, puis de casser celle ancienne pour mettre une autre. Là où le mal abonde, la grâce surabonde.